sans Michael Jackson, je serais pas là aujourd'hui. Et toute ma vie serait totalement différente. Mon style, je le qualifie de ténébreux. J'ai commencé à me maquiller quand je faisais mes spectacles de Michael Jackson parce que j'essayais de lui ressembler, d'être sosie. Je connais toujours toutes les chorégraphies de Michael Jackson. C'est quoi ton talent à toi ? Mon talent à moi ? Oui. À votre avis ? Mon rêve, c'est de pouvoir offrir au monde quelque chose de nouveau. Voilà, étincelle. Ça va passer à la télé ? Attends, je vais changer ça. Je répète. Petit cut. Ça, c'est une entrée de la détermination, de l'envie. C'est intéressant. Comment vous appelez-vous ? Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec plaisir. Je m'appelle Axel Tedesco. C'est marrant parce que Tedesco, ça veut dire allemand en italien. Tedesco. Exactement. Et je n'ai jamais su pourquoi. Ok, très bien. C'est une question qu'on pourra continuer à se poser. Axel, quel âge as-tu ? J'ai 24 ans. Ok. J'étais pas préparé à cette question. Oui, c'est ce que je vois. T'étais préparé à quelle question ? Peut-être les suivantes. Alors, parfait. Et peut-être aucune, d'ailleurs. Ok. On verra. Continue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Axel ? Je suis étudiant au conservatoire. Conservatoire de théâtre, conservatoire musical, quel conservatoire ? Tout. Tout, ok. Sauf la danse et le théâtre. Jusqu'à maintenant, le numéro excellent. On est d'accord. Que fais-tu ici sur ce plateau de La France, un incroyable talent ? Je réalise un rêve d'enfant. Oh ! Donc, veux-tu ajouter un mot avant que cette scène ne soit tienne ? Maman ? Je t'aime. Oh ! Bonne chance. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est... Maman, pas maintenant. Pardon, on était... L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le... What? Elle m'a foutu montant des cathédrales. J'ai l'air d'un ringard devant Hélène Ségara. Je vais changer de numéro. C'est fini? Incroyable. Non, non.